Tout le monde, c'est Franck, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo. Donc avant d'entamer le sujet, ben je suis désolé vraiment, ce sera des bots pour aujourd'hui les gars. Parce que ouais je sais ça fait clochard de faire un gameplay contre des bots, mais je sais pas pourquoi le multi bug là. Quand je vais en multi, ben, je peux pas trouver de game. Ou ça me comment dire, c'est pas ma cour hein, ça c'est sûr. Ça me comment dire, ça me transporte vers le local où donc tout le monde bug. Je suis parti voir sur Twitter tout à l'heure. Donc vraiment c'est un peu chiant. Donc je tourne pas la vidéo en même temps, peut-être vous allez la regarder. Donc parce que celle-là normalement cette vidéo je la poste dans à peu près je vais la tourner peut-être 2 semaines après je vais la sortir. Donc voilà. Donc les gars, aujourd'hui ça va être à vous de choisir l'avenir de la chaîne. Parce que là vraiment j'ai besoin vraiment de vos conseils on va dire. C'est pas vraiment vos conseils, c'est plus un choix au hasard on va dire. Là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on va dire, comme vous le savez peut-être, je fais de la compétition. Donc voilà, tout simple, hein, je fais de la compétition quand même. Comme beaucoup de gens maintenant sur Call of Duty. Donc je vais pas vous raconter tout le cheminement, tout ça. Parce que ça va être un peu trop long, ça va être chiant à écouter. Mais en gros, je vais vous faire une proposition pour le prochain Call of Duty. Ça va être à vous de choisir, les gars. Alors, je parle bien sûr pour la chaîne, hein, parce que. En dehors de la chaîne, moi je continuerai la compétition, ça c'est sûr. Mais mais ça c'est quasiment sûr. Mais c'est pour la chaîne vraiment que je parle, pas pour mon jeu à moi, d'accord. Quand je dis jeu, c'est plus pour comment dire, pour mon jeu personnel, on va dire. Moi par exemple, quand je joue hors vidéo, ça c'est pour mon personnel. Mais vous, quand vous regardez mes vidéos, vous préférez voir quoi? Des matchs compétitifs. Vraiment fun, parce que je peux vous dire que quand vous faites de la compétition et des fois vous marrez bien, même très bien, ou des comment ça s'appelle, des du public, on essaie de monter toutes les armes en or, etc. On fait les choses bien, etc. Comme sur les anciens Call of Duty. Ou alors vous préférez la compétition. Donc dites-moi les gars en commentaire ça. Et puis voilà les gars, c'est. Après, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en fait, pour le multi, je connais pas beaucoup de gens. Alors vous voyez, pour faire un roster, je sais pas, par exemple un roster sur IW, ou pour faire des mix, faire des tests que vous voulez, là je connais du monde. Mais pour aller en multi, domination, tryhard, je connais pas vraiment beaucoup de gens. Peut-être 2-3, mais des potes IRL, mais à part ça rien d'autre hein. Déjà en plus pour les potes IRL, faut qu'ils s'achètent au moins le prochain Call of. Mais franchement je sais pas du tout, c'est vraiment à vous de choisir pour vos styles de vidéo à vous. Bien sûr les gars, je suis désolé pour ceux qui préfèrent le multijoueur, mais si par exemple il y a plus de votes pour la compétition, je prendrai la compétition les gars. En plus moi les gars, moi je vais pas vous mentir, moi j'aurais pu dire ouais c'est moi qui va tout choisir. Par exemple pour le prochain Call of Duty, je fais que de la compétition en vidéo. C'est ultra simple les gars. J'appuie sur deux boutons sur la manette, je rec ma game, je la mets sur YouTube. C'est tout con hein. Et si ça intéresse plus de personnes, tant mieux, j'aurais peut-être moins de travail à faire. J'aurais pas de coupure à faire comme en domination. Parce qu'en domination, tu vois, il n'y a pas tout le temps des moments bien. Il faut savoir temporiser des fois. Hein. Faut les couper ce moment, parce que il y a peut-être des fois tu vas prendre un ou deux petits turns, faut les couper au montage ça aussi. Non je rigole, mais non mais plus sérieusement, c'est franchement, si vous choisissez la compétition, moi je vais pas vous mentir que c'est vraiment plus simple pour moi. Mais si vous préférez avoir des games en domi, dès que par exemple il y a une nouvelle arme qui sort, j'essaie de la choper dans les largages. C'est vraiment à vous de choisir les gars. Moi en gros je suis une chaîne, c'est vous qui choisissez tout dessus. Moi, je suis pas comme les autres youtubeurs. C'est moi qui choisis tout. Si demain j'ai envie de montrer ce que je sais pas, n'importe quoi sur YouTube, je ferai pas. Parce qu'en fait, il faut l'autorisation de mes abonnés pour moi. Je peux pas faire un truc sur ma chaîne si ça plaît pas à mes abonnés. C'est complètement inutile. Je sais pas, c'est comme si vous allez acheter une boisson à Carrefour. J'ai au hasard. Hein. Vous allez acheter une boisson à Carrefour. Vous préférez le Coca. Vous préférez le Coca. Et vous prenez du Fanta à la place. C'est totalement con. Ouais, mais ça n'a rien à voir les boissons, mais vous voyez le truc quoi. Vous m'avez compris. Donc vraiment, c'est à vous de choisir les gars. Là, vraiment, je vous laisse vraiment un choix. S'il n'y a pas de commentaires, et si personne ne veut, je ferai
à ma sauce Ray, hein, c'est. On va mettre que de la compétition mon pote et. Et ce sera tout, hein. C'est. Moi je pars sur des bases comme ça. Si vous voulez participer à faire avancer ma chaîne, moi je veux bien. Je veux bien. Mais si personne ne participe à faire pour faire avancer ma chaîne, bah, je ferai tout à ma sauce et. Et puis voilà les gars. Donc les gars, oubliez pas de me dire votre avis en commentaire. Ça, moi ça me fait vraiment plaisir quand des gens participent en commentaire. Pour soit m'aider à améliorer ma chaîne. À part les fils de pute, va niquer ta mère, ça mettez bien mon doigt dans le trou de balle, tu vois. Ça je m'en bats les couilles de ces commentaires, les gars. J'en ai tellement reçu depuis le début de ma chaîne que ça freine pas en fait. C'est au contraire, ça te fait avancer. Tu dis, il y a des haters qui ratent tes vidéos, mais bon. Et il y a des personnes qui te détestent mais qui ratent quand même tes vidéos. C'est con mais c'est comme ça. Hein. Bon, bref. Moi je vous dis à la prochaine les gars. Peut-être ce soir je vous sortirai une autre vidéo aussi pour un sujet très intéressant sur IW. Et puis voilà les gars. Moi je vous dis à la prochaine. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous commenter ce petit sujet on va dire. Enfin encore désolé pour le gameplay les gars. Mais et puis voilà les gars. C'était tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de participer en commentaire, liker, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, salut.